d'apprendre que gagné trois présumés bandits qui tombé, gagné plusieurs âmes qui saisi et gagné plusieurs monde qui dans l'arrestation yo. C'est yo dans cadre d'un coup de filet que la police dans notre pays yo rivé mené trois individus mortellement blessés dans boucanté coup d'âme avec Foster Dio. Gagné 30 monde qui interpellé qui arrêté, gagné deux âmes qui saisi, des couteaux et plusieurs cartouches confisquées dans le cadre d'opération la police dans notre pays a mené dans deux dernières semaines. Et la nuit qui était 23 pour l'ouvrir 24 septembre passé, plusieurs unités spécialisées dans la police nord d'Haïti réalisaient une grosse opération dans la zone Tibo, commune Milo, et contre gang qui est dirigé par Marc Aurel, qui est dirigé gang ça ainsi connu. Et pour nous dire bien, gang ça, monsieur qui était en prison déjà, mais malheureusement, pour que ce présumé implication, dans l'assassinat et l'enlèvement, eh bien, tout que les Macorel, monsieur qui mortellement touché, a dit monsieur Petit Laville, dans quatre opérations que Brigade Intervention BI, cap haïtien fait dans la zone barrière bouteille. Et pendant l'opération sa Desivenes, eh bien, la police, gagne un certain de William Bensa alias Ticon, mon désir Guillaume Eli alias Senoa, et Philippe Benny alias Loboy, et yo même tout yote arrivé stoppé par la police nationale d'Haïti, et gagne un revolver calibre 38, zam factice, des couteaux et plusieurs cartouches, différents calibres, qui arrivé saisi par force de l'audio. Et ensemble, individu sa yo, yo acquisition de plusieurs cas la mort, et qui fait dans le département nord-payant, précisément, dans la ville cap-haïtien Désir Venesse. La situation du président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils a frappé très fort dans sa qui vient pour avec 79e Assemblée générale Nations Unies côté li fait un discours historique mémorable pour rappeler valeur que Haïti gagne, pour rappeler force et courage que peuple haïtien gagne devant tout fléau. En pile monde garder discours ça comme un discours renaissance pour pays d'Haïti face avec communauté internationale là en pile temps qui a joué avec valeur et historique que pays d'Haïti gagne depuis un bon bout de temps. Et président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils t'a profité occasion Blaise Peterson pour te rappeler la France, l'argent que vous avez pris malgré la bataille que vous avez fait pour nous prendre l'indépendance, l'argent ça c'est pas en faveur, vous devez tourner l'argent par pays d'Haïti. Il t'a tout rappelé Conseil, sécurité, il t'a tout rappelé, et l'ONU, pour venir aider le pays d'Haïti à travers la communauté internationale, soit à travers la force multinationale, ce n'est pas un cadeau parce que le pays d'Haïti pratiquement fait partie, état membre de l'ONU, Blaise Peterson. En dedans discours ça, chargé à causer, en dedans discours ça, chargé avec fierté, ou t'as dit que monsieur Antoine, Yoshita, yo discuté, yo planifié. Et grand axe et grand point, yo entend yo sou yo pour te permettre que Haïti te gagne une représentation mémorable dans 79e Assemblée et Nations Unies. Ou jusqu'à présent, la situation, jodi a moun yo après tant, après discours ça, et bien action qui a accompagné, qui a gagné pour poser dans le cadre et surtout retirer le pays d'Haïti dans la crise qui est là. Dans Chita que vous avez essayé de regarder, Premier ministre Dr. Gary Conille, qui t'a accompagné avec. Et président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils, il était participé dans forum investissement Haïti ak réforme l'avenir qui pral pote yon ensemble opportunité nan sa ki gen pouwe avec investissement transformation économique en dedans pays d'Haïti, mais c'est à l'état New York il était participé dans rencontre si là après discours président conseil présidentiel transition sous tribune Nations Unies. Sous bon côté participation yo dans délégation Haïti dans 79e session ordinaire Assemblée générale et Nations Unies, eh bien 24 et 26 septembre, eh bien on essaie d'autres discuter sur ensemble des points focaux, sur ensemble de points importants. Objectif principal forum là, c'était inviter potentiels investisseurs étrangers pour venir dans discussion yo sur opportunité investissement gagné dans secteur en dedans pays d'Haïti dans divers secteurs que yo promettre. Ça, on peut gagner pour faire dans le niveau national qui permet à l'international pour permettre d'élaborer et partager ça que vous gagnez comme Kilti à Poutine. Yo chita sous point ça. Rétablissement rapide dans la situation économique pays. Yo continue récupération sociale pays qui perdu depuis un bon bout de temps. Yo essaye donc de garder question travail qui doit être disponible en dedans pays. Création nouveau travail pour renforcer opportunité partenariat avec business qui gagne en dedans pays d'Haïti autour de points ça au déchita souli yo encourage investissement
dans le projet d'investissement qui est capable d'orienter dans le partenariat public-privé pour être capable d'accélérer dans la dynamique pour régénérer le projet d'investissement en dedans pays d'Haïti, les personnes. Ça a pratiquement apporté des bonnes inspirations, surtout pour le pays d'Haïti, parce que la situation paraît très difficile. Président Conseil présidentiel de transition, dans le discours de la personne, il était clair pour dire restitution et réparation de l'indépendance, c'est refrain ça, ancien et sénateur et président Conseil présidentiel de transition, et nous rappeler que l'ancien président Jean-Bertrand Aristide a été lancé et dans les Nations Unies dans l'année 2023, pardon, c'est président Conseil Edgar Leblanc-Fils qui potel journée jodia et qui reprend discours ça le 26 septembre 2024 dans l'occasion que t'a pral participer et bail point de vue sur question si là. Li fait quoi? Li c'est victime, Haïti c'est victime colonisation française. Haïti toujours porter conséquences pratiques féroces à ta dégradation, ça qui te gagne en dedans pays. C'est pour ça le dit, pays à genoux. Lui permettre que le pays en retard faut au moins bon bagaille qui lui fait pour retirer la République dans la situation qu'elle trouvait là. Sur le plan de sécurité, Blaise Peterson, la Camouin, dans le département, la Tibonite, bagaille pas rose, yo pas joli non plus. Situation de jour en jour, la vie plus difficile, surtout moun yo qui pas gagne accès sur route nationale numéro 1, quitte dans niveau 3 pont, quitte dans niveau Kafoupey, parce que Bandi Bas Gangrifio tabli quartier général yo dans zone si là. Blaise, dans Port-au-Prince, dans grand quartier général, l'armée d'Haïti. T'as eu quelques coups de feu qui t'a tiré dans le parage, grand quartier général là, mais ensemble militaire qui dans le grand quartier a pris en disposition. Qui ça cause, ça a passé à privé là? C'est bandit qui pratiquement dans Belé, qui dans le grand quartier général là, qui a arrangé pour y faire une série d'attaques de diversion, parce que vous connaissez que la médaille qui mobilise dans tout coin, qui va permettre que vous reprenne contre la situation. Est-ce que bandit vivant ensemble, vous mettez dans la tête, ça a été fait à Ariel de Déroa, vous cap tout profiter fait pendant le président conseil présidentiel là dehors, pendant le premier ministre dehors, eh bien, monsieur Lameo dit ça n'a pas passé. Et il y a une question, balle, barbecue qui t'a en faiblesse. À partir de ça, il y a battu pour repousser et permettre que les gens qui dans unité spécialisée, qui pratique pendant le périmètre, bon côté barbecue, qui dans zone Kempes, pour vous cap relâcher, en façon vous-même, pour vous mettre corps dehors. Eh bien, militaire, yo dit yo pas fait bac, y a continué et aucun contrôle situation les personnes examiné tenu. Désir font bel rallé ensemble de près qu'on va discuter là bien que nous prenons vraiment mettre focus là et sous discours Edgar Leblanc-Fils là et la vienne avec discours en tout bien que on a plein monde déjà attendait, en plein monde déjà wel, mais moi Désir Venès nous prenons faire nous tendel mais en même temps tout n'a fait de analyse à différents séquences. OK? N'a fait de analyse sur différents séquences. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le bagage encore désir, dans la question qui est pour avec et stratégie que vivre ensemble a utilisé, a essayé, a tenté d'utiliser dans le moment. Parce que, négocier essayé le 29 février, le marché. C'est Ariel t'a flan nende yo ba sa yo. Négocier tout déclenche mouvement, tout côté t'a frappé ensemble et Ariel t'a tout été jusqu'à ce qu'il pas me rentrer. Mais attaque les qui a fait sous base d'Améan, plein bandi yo, plein vivre ensemble, c'est attaquer la Cour des comptes, attaquer intérieur, attaquer palais national, créer un vent panique en bas. Yon façon, selon ça que nous apprenons, pour ne pas détourner attention force de l'audio qui a mené l'opération dans Badelma. Parce que l'opération qui a mené dans Badelma, selon toute dernière information que nous avons, li mette barbecue nan, en faiblesse, li mette barbecue en difficulté. Ok? Parce que c'est vrai, moun yon qui a dit au partenaire de Goku Bal Kap tiré dans Badelma, mais pas parce que nous pas abandonné. Force de l'audio, l'armée, la police pas abandonné. Les gens toujours présents en bas. Ça veut dire que, et qui est de côté qui était fief barbecue, pas de ces messieurs là encore. Soit les gens qui sont tombés, ou disent est-ce que ça est en GTO, GTO. Les gens utilisent une stratégie après ça d'apprendre. Pour que yo capable de créer focus sur chaîne masse, quartier général, et ensemble de bois, l'État yo. Et vous connaissez là, on va se faire capable de retirer l'opération sur Badelma. Mais force de l'audio, on dit,
la police nationale d'Haïti, Anzi l'armée d'Haïti, qui yon même geta comprenne kouan, qui comprenne jouet lan, yon di yon pa prenne la diversion sa. Yon pa prenne la donne. Yon kembe focus sou Badelma. Et en même temps tout, yon pren de disposition pour gérer quelque soit attaque ou bien assaut que bandi vive ensemble, ta gen l'idée fait dans périmètre chen mas nan. Non, bah on est ça nèg, ça que autorité dit qui je vais kembel, est-ce qu'il y a kembel tout mais et c'est ça plan bandi oui. Et autorité qui était identifié ça, il y a pris toute disposition pour gérer situation en désir. Même chez moi dans le nord, Gébrisé bandi tombé, Gébrisé bandi arrêté, eh bien bataille opération, bataille gouméen. Stratégie l'État, stratégie force de l'audio, les consignés après possible des Ivenes. Avant qu'elle vienne avec et discours intégralité et discours Edgar Le Fils. La situation, il mérite que mariage, police-population, les continuer à porter l'espoir qui permet de récupérer ensemble l'espace. Les permettre de gros qu'est cassé. Les permettre de bandits commencer à faire dénonciation contre Bossio. Tant qu'ancien sénateur Yuri Latortu, qui a un meilleur qui commençait à dénoncer, et barbecue rentre dans l'initiative, n'a parlé avec tout chef gang qui est en dedans pays. Ou après, non vidéo que moi barbecue a demandé qui gressé pour désengager, pour quitter espace là, pour déblayer route là, pour débarrer route là, pour suspendre by moun dans zone là, problème pour quitter si malheur et vivre. Ça veut dire qu'il y a un pile inquiétude dans cette personne. Par rapport avec ensemble opération qui a mené, par rapport avec bandi qui a pris un code dans la police. Malgré pas un bilan qui présentait, il y a quelques travail qui a fait, bien que moi-même, moi partager plusieurs fois là, émotion, moi partager plusieurs fois là, sentiment, moi partager plusieurs fois là, compréhension, par rapport avec ça qu'a fait là, ou jusqu'à présent, moi poko classé parmi opération grande envergure. On se s'il classé, parmi les opérations de grande envergure, les personnes, résultat yo y a palpable, résultat yo y a direct. Jusqu'à présent, on a regardé c'est indirectement au cas dit qu'on bagay. Parce que Pelé, Simon Pelé, pratiquement mettait mon nan couri pendant journée ailleurs. OK? Qui cause que Kafou aéroport a absorbé un paquet de monde qui t'a vite prendre refuge là-dedans. Ça veut dire travail la police tant, li pratiquement a fait dans bout terrain jusqu'à présent. Qui ça fait que la police toujours gen limite à travers pays? Parce que c'est la police nationale d'Haïti. L'État doit gagner accès pour dans tout espace, dans tout moment, dans tout l'air. OK? Si n'est qui a sa patte, qui a avec fusil dans main, les autres attendent mon grand policier à venir se courir, qui est à courir. Mais qu'on y a besoin, qu'on fait réforme, il y a besoin qu'on essaie d'autres recadrer institutions qui pratiquement dans la rue, par rapport avec ensemble critique, par rapport avec policiers qui marient sur sociaux, par rapport avec précarité économique qui ont gagné. Parce que on est qui a zam dans main, quatre travail. 25 à 50 000 goud ou bien 60 000 goud, moun ki touche peut-être piro dans la police. Li peut-être besoin en pile capacité, li besoin en pile conviction pour le parler dans l'agent sale, dans l'agent drogue, dans l'agent corruption qui gagne dans le pays. Surtout, l'en connaît, gen ensemble ancien élu, gen ensemble ancien ministre, ensemble ancien président qui pratique avec l'agent sale dans le pays, qui dans drogue, qui dans kidnapping, qui dans encourager insécurité qui dans pays, qui ont pas quatre policiers qui en fonction jusqu'à présent qui détaché à qui pour bailler sécurité. Ça veut dire quel que soit plan qui gagne contre bandi, eh ben ancien président, ancien sénateur, ancien député, ancien ministre, ancien directeur général ça yo, ancien délégué, ancien vice-délégué ça yo, qui tout gagne policier avec yo, c'est des anciens chefs qui dans gang, qui dans toute qualité bagarre dans pays, eh bien opération la police yo vinn pas fiable. Je dis, si vous avez un ensemble de monde qui est dans l'État, qui a des accusations sous le dos, vous avez besoin de faire lumière dans la justice. Pendant que vous avez fait lumière dans la justice, vous avez détaché, retiré les policiers qui sont affectés avec nous dans cette personne. Pour ne pas entraver ensemble le travail que l'institution policière a fait. Parce que vous avez arrangé, vous êtes toujours dans le système. Vous avez infiltré, quel que soit ce qui est planifié, vous avez toujours connu. Et vous avez dit, vous êtes tous côtés, vous êtes dans toute direction, vous êtes dans tout ministère. Qui est-ce qui victime comportement ça? C'est la population qui la vive dans le pays, qui la vive dans le pays. C'est ça qui fait qu'il y a besoin de bataille pour valer en dedans institution policière. Parce que jusqu'à présent, la constitution haïtienne lui reconnaît des forces légales, des bras armés qui attachés avec la justice. C'est la police, l'armée.
nous pas prendre temps, nous pas prendre temps pour n'a observer, pour n'a regarder, pour quitter pas la braler n'importe qui gens, faut que nous prenions responsabilité pour nous, faut que nous prenions engagement pour accompagner force de l'audio, pour faire travail que besoin faire dans toute équité qui cap permettre moins gain sécurité ou gain sécurité, gain sécurité ben situation. Désir jeune de Diane Galvin avec intégralité interview Edgar, alors pas interview, discours Edgar Leblanc fils fait sous tribune Nations Unies. Dans l'occasion 79e Assemblée générale Nations Unies. Et nous prenons venir avec lui et Jean Odian, moi avec Désir Venesse. Nous prenons et analyser tout en pile dans ce qui parle, qui dit yo. Et vous n'avez des amis vraiment comprendre plus bien discours à Désir Venesse. Parce que moi, c'est que l'important, les amis tendent, mais qui peut-être besoin comprendre plus bien. Mais nous-mêmes, n'a pas fait comprendre ni. Alors, quand on est en français, on a essayé quand même gérer ça. Et puis, pour nous, on a une grande idée de sa gain. Nous allons venir avec Edgar Leblanc fils, Zami Internaut. Nous allons venir avec Mito Wala. Ok, on a gagné, monsieur. C'est Haïti. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Edgar Leblanc fils, président conseil transition qui est même. La défile pour la tribune. Exactement, ce pipit là. Regarde. Tu vas voir le balier là. Excellence, monsieur le président de l'Assemblée générale, monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Excellence, mesdames, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames, messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, chers compatriotes, j'ai l'immense honneur de représenter ici à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, à un carrefour particulier de son histoire, le peuple haïtien, digne et fier, qui malgré les tempêtes de tous ordres, a toujours su se relever. Première République noire du monde, Haïti porte dans ses entrailles la fierté d'une lutte héroïque pour la liberté et la dignité humaine. Elle se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif. C'est donc avec le poids de cette histoire et l'espoir d'un avenir meilleur que je m'adresse à vous en appelant à la solidarité agissante de la communauté internationale. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes chaleureuses félicitations à vous, Son Excellence Philémon Yang, ancien Premier ministre du Cameroun, pour votre élection en tant que président de cette 79e session de l'Assemblée générale. Haïti se tient fermement à vos côtés et vous assure de tout son soutien tout au long de votre mandat afin de faire de cette session un succès pour l'ensemble de la communauté internationale. Qu'il me soit permis aussi de saluer l'excellente qualité du travail accompli au cours de la 78e session par votre prédécesseur, Son Excellence, M. Denis Francis de Trinité et Tobago, qui a su conduire les travaux avec dextérité, sagesse et leadership. Je saisis également cette occasion pour exprimer au nom du peuple haïtien toute notre gratitude à vous, M. le secrétaire général Antonio Guterres, pour votre visite en Haïti, votre présence sur notre sol et votre soutien indéfectible à notre démarche auprès du Conseil de sécurité, notamment pour renforcer la police nationale d'Haïti. Vos récentes interventions en faveur d'Haïti ont été vivement appréciées et resteront gravées dans nos mémoires. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à la communauté internationale pour le soutien apporté à mon pays en ces temps de crise. Cette solidarité, qu'elle se manifeste à travers des initiatives de sécurité, d'aide humanitaire ou de soutien au développement, est grandement appréciée. Par cette coopération continue et mieux adaptée, Haïti se remettra plus forte, plus résiliente et engagera confiante sa marche assurée vers le développement et le progrès. Je salue ici tous les compatriotes haïtiens à travers le monde qui, tout en restant attachés à leur pays natal,
sont obligés de chercher d'autres cieux plus cléments pour gagner leur vie. Tout le monde reconnaît qu'ils sont de rudes travailleurs. Je veux leur dire, partout où ils se trouvent, que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement pensent à eux en attendant que les conditions soient réunies pour qu'ils reviennent au bercail. J'en profite pour saluer Amnesty International et d'autres organismes opérants dans le domaine de la défense des droits humains qui suivent de près les violations des droits des migrants haïtiens à travers le monde. Je me permets, au nom du peuple haïtien, de saluer fraternellement tous les amis d'Haïti qui ont fait preuve de solidarité envers les migrants de notre pays, en particulier ceux résidant à Springfield dans l'Ohio aux États-Unis. La longue histoire d'amitié et de solidarité réciproque entre nos deux nations, depuis notre participation à la bataille de Savannah en 1779, nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. Là, Edgar lui parlait avec et Donald Trump. Malhonnête qui mène les reproches. Exactement. Ça, c'est malhonnête qui mène les reproches. Parce que, je comprends, je dis, il y a mal à Haïti. Il y a mal à Haïtien. Mais, attendez bien, Haïti, ça, que je dis, qui est mal à Haïtien, ça, est mal à l'égoïste, quoi, le passé. Et lié de même, lié des États-Unis, ça va net. Et qui est de ville aux États-Unis, là, Haïtien, c'est Orlando, si je ne me trompe pas. Jean-Baptiste Point du Sable, qui c'est un Haïtien qui est entré aux États-Unis, et je me dis c'est un élément fondateur, ville Orlando, aux États-Unis. Monsieur, c'est Sema quoi, monsieur Nexema. Exactement. Parti Bonnet. Donc, je dis là, et ouais, tout ça qu'a dit, j'ai dit, Vince, malgré les gars, les gars étaient sous-menti, les gars étaient souris, mais ah, les gars ne vont pas s'étendre, c'est, ils n'ont pas appelé Haïtien. Et ouais, tchoum. Je suis allé plus loin pour le dernièrement, non interview que le bail. Monsieur Edzo, depuis le Tavin, président des États-Unis, avec vice-président J.D. Vance, question CBP One, question programme pour l'humanitaire. Dès que vous entrez dans le programme ça États-Unis, où c'est criminel, pas qu'on est gens de Bagali, on va ranger cause parce qu'il y a pim pour tout le monde dans le pays. Quelque sorte, tu es haïtien. Ou t'es quelque soit immigranté, hein? Mais si nous avons parole humanitaire, là, nous connaissons pour quatre pays liés. Haïti, Cuba, Nicaragua, Venezuela. Mais dans CBP, on n'est pas Mexique, là, plusieurs nations passent là-dedans. Et pas seulement haïtiens. Qui donc, je dis à me connaître plusieurs centaines de milliers haïtiens qui, États-Unis, dans quatre programmes parole humanitaire, qui a essayé les programmes Biden. Là. Et c'est plusieurs. Milliers haïtiens tout qui rentrent ici aux États-Unis dans programme alors dans application CBP One. Ça veut dire jeudi en là. Eh bien, c'est vrai, les États-Unis sont terre de refuge qui grand pile immigrants. Mais est-ce que son raison tout pour Donald Trump lui-même en soi a réagi dans façon ça et je que l'a réagi. Mais Edgar Leblanc fils, monsieur fait tirer appel ça. J'ai des idées là. C'est malhonnête qui mène reproche. Faut changer, faut songer Savannah. Faut songer gros bataille qui mène pour yo. Et ça Edgar lui-même, il rappelait avec anti américain raciste et anti-immigrant yo. La participation active des immigrés haïtiens à différents niveaux de la vie des États-Unis est tangible et significative. À cet égard, les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis, une nation forgée par des immigrants de toutes origines et qui s'est érigée en modèle de démocratie à l'échelle mondiale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de cette 79e Assemblée Générale, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures, résonne profondément
avec les défis majeurs auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Ce thème est un appel urgent à l'unité et à la coopération internationale dans un contexte où les inégalités, les conflits et la crise climatique exacerbent la vulnérabilité de millions de personnes à travers le globe. Alors que de nombreuses nations peinent à atteindre les objectifs de développement durable, il est plus que jamais nécessaire de garantir que toutes les voix, en particulier celles des plus marginalisées, soient incluses dans les processus de décision mondiaux. Cette thématique revêt également une importance capitale dans le contexte de la crise actuelle en Haïti. Il incarne l'essence même de notre lutte pour restaurer la paix et la stabilité, tout en assurant que chaque citoyen haïtien, chaque citoyenne, puisse jouir de ses droits fondamentaux. Agir ensemble, comme le souligne le thème, est essentiel pour Haïti, car notre redressement ne peut se faire pleinement sans cette solidarité internationale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, notre monde est confronté à des défis d'une ampleur sans précédent, des défis qui préoccupent profondément l'ensemble de la communauté internationale. Les Nations Unies, dans leur mission historique de promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable, se retrouvent en première ligne face à des crises qui menacent non seulement des nations isolées, mais l'ensemble de l'humanité. Le changement climatique est sans doute l'un des plus grands périls de notre époque. D'après les données récentes du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la température mondiale a déjà augmenté d'environ 1,1 degré centigrade depuis l'ère pré-industrielle. Cette élévation a provoqué une intensification des phénomènes climatiques extrêmes tels que les ouragans, les sécheresses, les inondations, des catastrophes qui affectent particulièrement les nations les plus vulnérables comme Haïti. En 2023, le Programme des Nations Unies pour le Développement a estimé que plus de 100 millions de personnes supplémentaires risquent de basculer dans la pauvreté d'ici à 2030 en raison des effets du changement climatique. Pour Haïti, qui fait partie des pays les moins émetteurs de gaz à effet de serre, mais qui ont subi les impacts les plus dévastateurs, cette crise mondiale exacerbe nos difficultés à garantir la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable et la stabilité économique. Les conflits armés continuent également de semer la destruction et de ravager des vies humaines. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de personnes déplacées de force a atteint 110 millions en 2023, un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de l'humanité. Que ce soit en Syrie, en Ukraine ou dans la région du Sahel, ces conflits prolongés exacerbent la pauvreté, détruisent des infrastructures vitales et entraînent des flux massifs de réfugiés. Le monde ne peut rester inactif alors que des millions d'hommes, de femmes et d'enfants fuient les violences en quête de sécurité et de dignité. L'engagement de la communauté internationale est plus que jamais nécessaire pour trouver des solutions diplomatiques et promouvoir des initiatives de consolidation de la paix. Un autre défi majeur concerne les inégalités économiques qui continuent de se creuser. Selon le rapport sur le développement humain 2023 du PNUD, près de 1,2 milliard de personnes vivent encore dans la pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elles manquent d'accès à des services essentiels tels que la santé, l'éducation et des conditions de vie décentes. La pandémie de COVID-19 a amplifié ces inégalités, poussant des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Pour des nations comme Haïti, l'impact a été dévastateur. Avec un taux de pauvreté des plus élevés, le pays fait face à des défis structurels profonds. Mais ces inégalités ne sont pas seulement un problème haïtien, elles sont un problème mondial qui requiert des réformes économiques globales. En outre, les défis liés à l'insécurité alimentaire
se sont intensifiées ces dernières années. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 735 millions de personnes dans le monde ont souffert de la faim en 2022, une augmentation alarmante qui reflète les perturbations causées par les conflits, les crises économiques et le changement climatique. Haïti, malheureusement, ne fait pas exception. Le Programme alimentaire mondial a récemment souligné que près de la moitié de la population haïtienne est en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Cette situation n'est pas seulement une urgence humanitaire, mais une menace pour la stabilité de notre nation. Nous devons travailler ensemble pour renforcer les systèmes agricoles, garantir un accès équitable aux ressources alimentaires et lutter contre la faim de manière concertée et durable. Enfin, les progrès technologiques apportent de nouvelles opportunités, mais également de nouvelles menaces. L'accélération du développement de l'intelligence artificielle, la prolifération des cyberattaques, la désinformation mettent en danger la stabilité des démocraties à travers le monde. Le rapport de l'Union internationale des télécommunications montre que la fracture numérique reste un défi majeur avec près de 2,7 milliards de personnes n'ayant toujours pas accès à Internet en 2023. Haïti étant l'un des pays les moins connectés, doit impérativement bénéficier d'un soutien pour combler cette fracture numérique et participer pleinement à l'économie mondiale du 21e siècle. Cette année, Haïti réaffirme son engagement en faveur de la préservation de notre patrimoine commun, les océans. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui avec fierté que Haïti signera l'accord sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales, adopté le 19 juin 2023 et ouvert à la signature depuis le 20 septembre 2023. Cet accord est un outil crucial pour garantir la protection de la biodiversité marine, promouvoir une exploitation durable des ressources marines et renforcer la résilience des États insulaires comme le nôtre face aux défis du changement climatique. Haïti est déterminé à collaborer avec la communauté internationale pour s'assurer que cet accord profite à toute l'humanité, tout en contribuant à la protection des écosystèmes marins dont nous dépendons tous. Ces défis mondiaux ne peuvent être relevés que par un engagement renouvelé en faveur du multilatéralisme, de la solidarité et de l'action collective. Haïti, malgré ses difficultés, se tient prête à collaborer avec la communauté internationale pour surmonter ces crises et bâtir un avenir où la paix, la justice et la dignité humaine triomphent. Mais nous ne pouvons y arriver seuls. C'est ensemble que nous devons agir pour garantir que personne ne soit laissé de côté. Excellences, Mesdames, Messieurs, en proclamant l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804, le général Jean-Jacques Dessalines, père fondateur de notre patrie, a donné aux droits de l'homme leur caractère universel. En d'autres termes, avec le triomphe de la Révolution haïtienne de 1804, ayant lancé le processus de démantèlement de l'ordre colonial et esclavagiste, les droits de l'homme ont cessé d'être uniquement les droits de l'homme blanc pour devenir les droits de tous les hommes, de toutes les femmes, c'est-à-dire les droits de l'humanité tout entière. À ce titre, en tant que représentant de la République d'Haïti, porte-parole officielle du peuple haïtien, je me vois dans l'obligation d'attirer l'attention des dirigeants des grandes puissances sur le danger de guerre nucléaire menaçant l'existence des peuples sur tous les continents. Dans cette optique, au nom de la République d'Haïti, je lance un vibrant appel aux chefs d'État de tous les pays membres des Nations Unies pour leur demander d'éviter à l'humanité le péril de la fin de la civilisation sur Terre. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'exprime aujourd'hui avec l'expérience de plusieurs années consacrées au service de mon pays. Mon parcours politique, profondément ancré dans l'histoire d'Haïti, m'a permis de traverser de nombreuses épreuves, toujours avec un même objectif, le progrès de mon pays, la fierté
la dignité restaurée et le bien-être du peuple haïtien meurtri. Ayant présidé le Sénat de la République de 1995 à 2000, puis ayant été témoin de moments critiques de notre histoire politique, j'ai vu de près les défis auxquels notre nation a été confrontée. Mon engagement politique remonte à une époque où les luttes pour la stabilité et la démocratie étaient omniprésentes. Aujourd'hui, en tant que président du Conseil présidentiel de transition, je me retrouve à un moment charnière de l'histoire d'Haïti. Mon parcours m'a enseigné que la résilience et la volonté collective sont les seules voies pour garantir un avenir stable et prospère. C'est avec cette vision, ce dévouement et la force que confère cette riche expérience politique que je m'engage à conduire la transition déterminée à mener Haïti vers la paix, la sécurité et la démocratie participative par la tenue de la conférence nationale, le renouvellement du personnel politique à travers des élections libres, crédibles, transparentes. Le peuple haïtien, malgré ces épreuves auxquelles il est confronté, refuse de se laisser submerger par le désespoir. Des défis d'une ampleur sans précédent, une violence dévastatrice, une instabilité politique persistante, une précarité quasi générale et une pauvreté dégradante se posent à son intelligence et à ses capacités d'action. Au milieu de cette tempête, il a compris qu'il lui fallait prendre une décision courageuse, celle de se mettre ensemble, de s'unir malgré les différences profondes pour pouvoir se relever et se mettre en marche, en toute confiance, vers la sortie de la crise multidimensionnelle qui l'afflige depuis déjà trop longtemps. La création du Conseil présidentiel de transition est une matérialisation de cette décision, un exemple tangible de cette volonté de se réconcilier avec soi-même. Ce Conseil qui rassemble organisations de la société civile et toutes les tendances politiques du pays est le fruit de longues négociations. Il incarne la pluralité de la société haïtienne. Sa feuille de route est claire. Restaurer la sécurité publique, organiser des élections libres, transparentes à la fin de l'année 2025, rétablir la confiance dans les institutions de l'État. Pour y parvenir, nous, responsables au plus haut niveau de l'État, savons que nous aurons besoin du soutien de la communauté internationale. Mais d'abord, nous devons compter sur nous-mêmes, sur notre résilience, notre capacité à surmonter les divergences, les divisions internes. Il est important de souligner que la résolution des problèmes d'Haïti repose avant tout sur les épaules du peuple haïtien. Il est de notre devoir, en tant que nation souveraine, de prendre en main notre destin, de surmonter les divisions et de construire ensemble un avenir de paix et de prospérité. Cependant, cette responsabilité n'incombe pas seulement à nous. La communauté internationale, les Nations Unies, les puissances étrangères qui ont souvent joué un rôle décisif dans l'histoire d'Haïti ont également une part essentielle dans ce processus de restauration de la paix, de redressement économique, de renouvellement institutionnel et d'établissement d'un état de droit. En ce sens, l'échec d'Haïti à se relever n'est pas seulement celui d'une nation. Il traduit un échec collectif, une incapacité mondiale à respecter pleinement les principes de solidarité, de justice et de coopération internationale. C'est ensemble, avec une responsabilité partagée et un engagement renouvelé, que nous pourrons transformer cette crise en opportunité et tracer une voie durable vers la paix. Aujourd'hui, Haïti fait face à une crise sécuritaire d'une gravité sans précédent. La montée en puissance des gangs armés, la violence généralisée, l'instabilité politique ont plongé la nation dans un état de vulnérabilité extrême. Les citoyens vivent dans la peur, incapables de circuler librement partout sur le territoire national, d'aller travailler ou d'envoyer leurs enfants à l'école sans risque, notamment dans la région métropole de Port-au-Prince, la capitale. Cette situation affecte tous les aspects de la société haïtienne, fragilise les institutions, paralyse l'économie, mine l'espoir de lendemain meilleur. L'avenir du pays est menacé.
50% de l'effectif des gangs de la région de la capitale sont constitués d'enfants et d'adolescents, filles et garçons. Ils servent souvent de chair à canon lors des opérations contre les forces de l'ordre. Ils sont l'objet de graves violences de toutes sortes, y compris des violences sexuelles. Ces abus et violences exercés contre des enfants et des adolescents doivent être considérés comme un crime contre l'humanité, compte tenu de leurs conséquences sur les générations à venir. Le rétablissement de la sécurité nationale est une priorité absolue pour les autorités haïtiennes. Elles sont pleinement engagées à mettre fin à cette spirale de violence et à restaurer l'ordre afin de garantir à chaque citoyen, à chaque citoyenne, le droit fondamental à la sécurité. Elles sont conscientes que la paix et la stabilité sont les fondements indispensables pour permettre à Haïti de se redresser, de rétablir la confiance dans ses institutions, d'assurer le développement socio-économique du peuple. Dans cette optique, la décision du Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité à travers la résolution 2699 a été une réponse directe aux appels du peuple haïtien. Cette mission, bien que n'étant pas une force onusienne classique, incarne l'engagement de la communauté internationale à soutenir Haïti dans sa lutte contre l'insécurité. J'exprime au nom du peuple haïtien ma profonde gratitude aux États contributeurs, notamment au Kenya, pour avoir accepté d'assumer le leadership de la mission, ainsi qu'à tous les pays qui ont apporté leur soutien. Les forces de sécurité nationale, avec l'appui de la mission, ont déjà montré des résultats tangibles sur le terrain, permettant à la population de retrouver progressivement une certaine normalité. Beaucoup, néanmoins, reste encore à faire. Haïti a accueilli plusieurs missions des Nations Unies au cours des trois dernières décennies, notamment la MINUSTAH. Si certaines de ces missions ont contribué à stabiliser temporairement le pays, elles ont également laissé un héritage lourd de conséquences. Des allégations de violations graves des droits humains, y compris des abus sexuels, ont ébranlé la confiance du peuple haïtien. L'absence de poursuites et de réparations pour les victimes a renforcé un sentiment d'impunité, minant ainsi les efforts de reconstruction. Il n'est cependant jamais trop tard pour bien agir et pour tirer des leçons du passé. En repensant l'approche, nous avons l'opportunité de redorer le blason des missions internationales en Haïti et de construire un avenir meilleur pour le peuple haïtien. C'est dans cet esprit que nous souhaitons voir amorcer une réflexion sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Cette transformation permettrait non seulement de sécuriser un financement plus stable et d'élargir les capacités de la mission, mais également de renforcer l'engagement des États membres en faveur de la sécurité en Haïti. Je suis convaincu que ce changement de statut, tout en s'assurant que les erreurs du passé ne se répètent pas, garantira le plein succès de la mission en Haïti. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me tiens aujourd'hui devant cette Assemblée en tant que voix de la République d'Haïti, pays dont l'histoire est inextricablement liée aux idéaux de liberté et de justice que nous célébrons tous ici. Mais Haïti, la première nation noire indépendante du monde, est aussi la grande victime d'une injustice historique qui a non seulement retardé son développement, a aussi marqué son peuple d'un fardeau dont les répercussions se font encore sentir. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace a siphonné les ressources de la jeune nation, la plongeant dans un cycle infernal d'appauvrissement dont elle peine toujours à sortir. Cette dette a été une forme de punition pour sa hardiesse à se libérer des chaînes de l'esclavage
et hisser l'être haïtien à la dignité de l'homme. Elle a été une pénalité injuste qui a asphyxié le potentiel économique et social du peuple noir d'Haïti pendant des générations. Dans le contexte d'aujourd'hui, où plus que jamais, l'attention est portée sur les efforts pour restaurer sans délai la sécurité et répondre aux immenses besoins humanitaires en Haïti, il me paraît important d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les séquelles du passé colonial et des rançons payées à certaines puissances qui ont largement hypothéqué le développement d'Haïti. Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. À la veille du bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le moment de la restitution des montants consentis? À cet égard, mon pays s'est félicité des propositions formulées par un certain nombre de gouvernements et également certaines agences des Nations Unies pour des actions concrètes en vue de la reconnaissance, la réparation et la restitution des torts du passé. Haïti a confiance sans réserve dans l'Organisation des Nations Unies, dont les piliers sont la lutte pour l'égalité entre les peuples et le maintien de la paix entre les nations, pour jouer son rôle notamment dans la mise en place des mécanismes appropriés pour faciliter le dialogue entre les pays victimes de la colonisation et les anciennes puissances coloniales. Ici, à cette 79e session de l'Assemblée générale, Haïti est par mon entremise, non pas simplement pour revendiquer une réparation, mais pour poser une question de principe, celle de la justice immanente. Ma démarche est résolument engagée, structurée et bien documentée. Le Comité national de restitution et réparation, en collaboration avec la Commission des réparations de la CARICOM, a déjà entrepris des travaux exhaustifs sur ce sujet. Nous demandons la reconnaissance d'une dette morale et historique et la mise en œuvre de réparations justes et appropriées qui permettront à notre peuple de se libérer des chaînes invisibles de ce passé injuste. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire nous enseigne que les nations ne se relèvent pas dans l'isolement, mais dans l'union des forces, dans l'engagement résolu à bâtir un avenir commun. Haïti, cette terre qui a offert au monde un symbole de liberté inébranlable et qui a aidé plusieurs nations à se libérer du joug du colonialisme barbare, ne cherche pas la charité, mais la justice, le respect. Le respect de sa dignité et de son droit à une existence digne et prospère. Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont certes immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. Ils exigent de nous tous une vision partagée, un sens profond de notre humanité commune et la détermination à transformer les crises en occasion de renouveau. Chaque nation, grande ou petite, riche ou vulnérable, porte une part de l'avenir collectif entre ses mains. C'est dans cette indépendance, interdépendance, que réside la force véritable du multilatéralisme. Que ce débat général soit le moment où nous réaffirmons notre engagement indéfectible envers la paix, la dignité humaine et le développement durable, car ce que nous faisons aujourd'hui résonnera dans les siècles à venir. L'histoire jugera la manière dont nous aurons su répondre aux défis de notre temps. Ensemble, dans un esprit de solidarité et de coopération, nous pouvons et nous devons construire un avenir où aucun peuple, aucune nation ne sera laissée pour compte. Vive Haïti, vive la coopération internationale. Demain un autre monde. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie. Et Désir,
moi, ouais, discours Edgar, li duré pour moi-même une trentaine de, 31 minutes. Et les m'gade discours, m'gade chronométrage là. Nan moment que Edgar prend verre pour boire de l'eau, c'est nan 28, 29 à 30 minutes. Ça veut dire, faut nous comprendre ça tout. Elle dit, de, on veut 10 de minutes, mon a parlé, monsieur. Gorge, mon a sèche. Et pas oublier, mon intonation, mon a pu gérer. Et tout quand même, gué de la pression, stress quand même, qui a envahi mon a sa qu'une baconne. Et pas parce que le lycée ou intellectuel, et qu'on a habitué à parler déjà, non. Ou est stress, ou bien question et énergie. Pourquoi on a de l'eau salée, hein? Un petit moment, quoi, Mandel, elle a dit que, on n'a pas besoin de faire qu'un débat contre sur ça. Moi-même, ça fait bien dit. Je vais garder, ça fait que je quitte tout discours à jouer. C'est que les gars, plus on cap suivre nous là, qui pas vraiment qui attendu sur l'autre plateforme, mais attendu le sur nous. Mais on nous garde, fond discours, hein? Et on nous dit tout. Après ça, qui ça retombe, hein? Et résultat pralier. Ouais, ça, monsieur, tout. Parmi tout pays qui ont pris l'indépendance, Haïti, c'est le seul pays qui a été forcé le pays l'indépendance. Pendant ce temps, c'est en bas de goût, oui. En bas de cano, en bas de physique, oui. Nous prenons l'indépendance, oui. Mais en 1825, la France a trouvé son fréquencité, il fait nous payer l'indépendance. C'est le pays dans le monde qui paye. Il faut regarder ça. Je dis, hein. Moi-même, c'est que, faut qu'il y ait de gros batailles qui pour mener, pour comprendre que, bah, c'est, et ça l'a besoin. Nous avons besoin de solidarité, hein. Au lieu qu'elle a cherché la petite bête dans le moment, on cherche pour les épaules, là. On cherche pour nous que, si nous avons fait collaborer. Et nous avons tout. Jean que, Monsieur Kassim était dans mes bandes républicains, bandes américains racistes. Les rappeler au Savannah. Bataille qu'une démenée. Pendant ce temps tout, les mettait focus sur question situation et sécurité. Haïti a connu là. Et les autres, Haïti, pourquoi tu parles, pas qu'à sortir dans sa lèvre là. C'est logique. Parce que Haïti, pas non, monde pour contre lui. Elle dit, les besoins bourrades internationales. Et moi, c'est ça. Dans la question de sécurité, dans la question de grand goût, dans toute forme de calamité haïtienne qu'on est là, les besoins haïtiens d'abord pour motiver, pour intéresser, mais le besoin de support la communauté internationale des Ivenes. La citation Edgar Leblanc-Fils, surprenant moi-même. Monsieur Poté y a un discours qui est très offensif contre les États-Unis, contre la France, contre les Nations Unies. Qui pensait ces charités que Haïti pré-remandé dans 79e. Il fait un devoir de mémoire pour les États-Unis et la France et l'ONU qui a joué avec Haïti sous question. Quand il montrait des malaises qui gagnaient, des dégâts qui causaient dans diverses missions qui venaient dans le pays, et l'important, et ouais, lui montrer que lui reconnaissant envers des démarches qui fait jusqu'à présent, malgré mission, pas bâillé trop gros résultat, lui féliciter. Blaise Edgar Leblanc-Fils Chita, dans le discours. Kounia, ça nous a posé tête une question, suivi après le discours, qui s'en va aller. Est-ce que il va pas dans une situation plus corsée? Est-ce qu'elle peut pas mettre Edgar Leblanc-Fils dans des situations difficiles, même genre les Jean-Bertrand Aristide te fait en 2003, qui te cause qu'elle dénonce une situation très difficile, surtout avec question l'argent restitution? Parce que ça, la situation, dans le moment, la France pas t'a aimé pour volume l'argent, ça, qu'elle te prend, te casse pour y être nous, elle te braque nous, ou elle te permette sous bataille, sous coup de fusil, qu'elle te fait pour te prendre indépendance. Communauté internationale, y a besoin de porter support avec Haïti. Mais porter support avec Haïti, c'est un devoir. Parce que nous faisons partie
de yon assemblée, nous fait partie de yon organisation ou c'est membre. Nous c'est membre, t'es même ou t'es cotisation côté bas là, ou t'es pire ou pas seul, mais moi contribuer ou contribuer. Moi membre ou membre, nous gagnons même devoir. Je veux dire, si ça a passé en dedans pays d'Haïti, on est pratiquement doit interpeller conscience chaque pays. Donc, comme te dire, malhonnête qui mène les poches. Je veux dire, citoyen haïtien qui pratiquement dans Springfield, Ohio, yo trouvé yo dans le discours que Edgar Leblanc-Fils côté. Li parle dans Béret, Donald Trump. Li parle dans Béret, américain raciste, qui pratiquement a traité immigrant. Ouais, Edgar Leblanc-Fils n'est pas chita sur immigrant haïtien tout simplement, mais regardez immigrant en général. États-Unis sont pays côté, qui sont pays qui recevoir des immigrants. Très bien. Mm-hmm. Il entend pour parler de Haïti, pour faire valer haïtien qui pratiquement cal immigré aux États-Unis d'Amérique, car on a des situations et discriminatoires. Il a besoin de songer. Qui ça Haïti? Histoire Haïti avec les États-Unis d'Amérique. Et Haïti, c'est la première république noire qui mettait goutte l'indépendance. OK? Qui portait valeur, qui fait respecter droit tout le monde dans le monde là, les râler Jean-Jacques Dessalines. Dans la bataille qui était menée, dans la proclamation indépendance pays, qui te permet la liberté et droit universel de tout le monde à travers et le monde, les personnes. Je veux dire, nous, ce qu'on est, ça qui a pensé dans le fait dans des pays impérialistes, opportunistes, et il n'y a pas de ébranler haïtien. Et dans le niveau, dans l'introduction, les personnes, dans la mise en contexte, discours, ouais, Edgar Leblanc-Fils, l'ichita sous bravo. L'ichita sous capacité. Songez, petit Donald Trump te dit nous, c'est peuple qui pissote, qui gagne et qui vient immigrer aux États-Unis. Nous sans culture, nous sans histoire, nous sans lecture. Eh bien, et Caliban fils tout passé pour un monsieur, il dit qu'on s'est passé, mais qui ça haïtien est? Si vous ne pas connaissez, tout vient faire un petit coup histoire pour vous, qui pourrait raconter vous, et ou même, sous quoi menti, ou qu'à faire recherche, et tout bagaille là, il y a qu'à dire, nous c'est un grand peuple. C'est vrai, nous avons connu des situations très difficiles, mais toujours été jam pour nous combattre, pour nous sortir dans sa nuit. La communauté internationale, pas innocent, ça a passé, mais c'est nous-mêmes qui arrangeons pour nous avancer ensemble. Ce n'est pas un petit groupe pour quitter l'autre derrière, mais c'est nous tous en général qui pour faire, qui pour changer question. Bon, par contre, qui ça? Edgar te le dit encore. Même tout, il est surprenant, parce que c'est le même bagage qu'il a été fait. Et il a fait dans l'assemblée qui était faite à travers chef d'État de la CARICOM dans Grenade, côté l'Italie, en pile monde, c'était mensonge qu'il a essayé de faire, soit pour te montrer blanc et peut-être que tu as des bagages qui t'a fait. Mais. Et gardez avec nous, ensemble, discours ça. Et c'est vrai que moi grand pile débat, en pile critique a fait pour un petit problème. Bon, m'a dit ti. OK, pour un problème protocole par rapport avec un glo et garder droit bois. Bon, tu dois prendre l'envers. Bon, malheureusement, li pran nan pou an, ça fait un pile débat. Bon, oui. Gros problème protocole qui pose, ça, tout le monde admet ça. Oui. Gros problème protocole qui pose, nous tous d'accord ça, nous tous admet, gè problème protocole pose. Ok? Nous d'accord ça, nous admet ça. Mais je dis, je ne vais pas dire que pour la chita, ce problème protocole, bon côté Edgar Leblanc-Fils, pendant ce temps, nous ne parlons pas dans le contenu, nous ne parlons pas dans le fond, discours Edgar Leblanc-Fils. Et moi-même, c'est dans le discours Amchita. C'est dans le fond Amchita. D'accord, il y a un protocole là qui dérange. Mais, Fanta n'a place Edgar Leblanc-Fils, mais d'accord, faire comprendre que, qui s'est passé, qui est le protocole ça? Mais pour ça qui est important, est-ce qu'un kachita fait un étalage
sous protocole là avec question type avec pot de l'eau au lieu qu'il te met de l'eau dans verre pour te brûler que l'élever dans tête li parce que mon comprendre je dis à haïtiens nous tellement critiques et critiques nous comme haïtiens li tellement destructive parfois mon ne compte faire 20 000 bagages qui bon. Mais on crée une bagaille fait pas bon. Regardez, n'oubliez tout 20 bagaille fait qui bon et puis nous kembe ça qui bon. Nous kembe ça pas bon. Sur exemple, m'ran et pas dit m'di et gâté bien et gâté doit faire bien fait ça faire non, pas ça m'di non. Mais comme peuple comme haïtien comme peuple pareil, moi qui me connais nous très bien. Moi connais qui est nous yé. Moi connais que nous plus croire dans disque non critiquer au lieu que nous arranger pour nous capable avancer. Et pour m'aller plus loin, ça que fait après jeudi là. Manquer solidarité, manquer tête ensemble. La caille haïtien pareil nous cap vive qui immigre aux États-Unis. Raison très simple. Et parce que nous pas unis nous non. Il n'a divisé, il n'a joué l'autre, il n'a critiqué l'autre. Alors que si nous réunis force nous, si nous gonfler force nous, nous ka fait, nous ka fait, nous ka fait, nous ka refait. OK. Nous ka refait merveille dans monde là. Et pas décider gonfler force nous. Nous pas décider mettre nous ensemble. Parce que ouais, au lieu que en pile nous chita dans fond discours hein, ou après raison envahi avec question et gata boîte l'eau, ragay, nous d'accord ça oui, protocole a manqué ou dis-moi est-ce quelque part pas qu'on est même pas chita sur ça moi même seulement. Nous voulons aller dans fond discours hein, et me promettre nous dans l'autre émission que n'a fait côté que nous pral fini avec discours, n'a fait entendre et moi avec désir venesse n'a décortiqué le banou. Mais kounya an nous aller neuf quelques points qui important en dedans discours là. De nous t'es capable observer regarder étendre expression visage et comment que énergie tristesse chagrin amertume qu'a dégagé dans voix Edgar Leblanc fils. OK. Parce que nous pas ouais côté monsieur dit je dis on va venir demander charité avec international là. Nous pas venir demander charité. Nous ne pouvons pas venir traîner cuit nous. Et l'air doit arriver. Moment doit arriver. Pour nous suspendre traîner cuit nous. Pour nous suspendre traîner bol bleu nous. Dévancher by le monde. Et j'ai Edgar Leblanc dit là. Haïti offrit. Haïti, cette terre qui a offert au monde entier un symbole de liberté inébranlable. Et qui a aidé plusieurs nations à se libérer du joug colonialisme barbare.
ne cherche pas la charité, mais la justice, le respect et de la dignité de son droit à une existence digne et prospère. Avec gros français. Mais en garde ça, monsieur dit dans ça. Je vois ça, yo. Ça, on doit mériter débat, oui. Ça, on doit faire débat. À côté de chercher cette question pour de l'eau, certes, nous d'accord. Mais ça, on doit faire débat. Parce que, dans le contexte côté que Donald Trump avec Jerry Vance, des républicains là, je dis là, yo, regardez, yo là, des chasses aux sorcières des haïtiens. Yo là, des chasses aux sorcières des haïtiens. Je dis, je crois que c'est le moment pour qu'on soit capable de récamper ce qu'on fait qui nous, d'évangéliser le monde, d'évangéliser l'humanité. Récamper ce qu'on fait qui nous. José Andra, c'est l'exemple, chez exemple liberté pour un pile pays dans le monde. Là. Haïti, c'est l'exemple ça. Haïti te casse exemple ça. Haïti fait exemple ça. Et en pile pays dans le monde, aujourd'hui, hein. Les a parlé de indépendance, les a parlé de liberté, ils n'ont pas capable de parler de Haïti. Quel que soit parler de Libye ou mieux parler de Libye mal, ils n'ont pas capable de parler de Haïti. Et moi, que je dis, hein, c'est fréquencité ça que ils ont fait dans le pays là. C'est fréquencité ça, oui. Yo fait na paye la jodi. Fréquencité ça fait na paye jodi. C'est fréquencité ça. Yo fait na paye jodi. Nous pas chercher charité, nous pas demander. Nous pas besoin de faire nous la faire comment dire là geste de pauvreté avec nous geste de charité à bas nous parce que avant bas nous parce que dans grand grand misère dans ceci dans cela mais nous chercher justice pour peuple haïtien ça peuple nèg ça première nation nèg ça première nation nèg ça nous chercher justice pour lui. La France qui fait un pays 21 combien milliards. La France qui fait un pays combien milliards ça. Qui te fait un pays de l'indépendance nous. Et gars, et puis ne vous le dis. L'argent ça que la France fait un pays. Hein? Quoi me souvle? Les contribuer mettre Haïti dans le niveau pauvreté, dans le niveau misère ça. Et c'est pas menti. 21 milliards, oui. Je dis en la baba non menti. Bien qu'on déjà nous 4 milliards là, nèg volé li. Te bon 4 milliards déjà dans Puerto Caribéen là. Les maté li, les comment les la motte, les qu'est-ce c'est là c'est les Jocelyn River, même connu là tout, parce qu'il dépasse comme premier ministre maté li. Te bon là je sais hier rachat après Haïti t'est fin craser là. Clinton, j'en ai dit là, les comment, j'ai Maxwell, Rive Barra, ça yo. Je dis, hein. Fondamentalement, au compte. Ah oui. Fondamentalement, au compte. De Haïti, nous, hein. Mais si je dis, hein, là. Au moins, t'as nous, même 1 milliard. Même 1, 4 à 5 milliards, 6 milliards. Et bien, Fonda, go qui ben volo, Fonda Haïti, yo la tout. Fon pata la, non? Aïe, si yon me volo, sa la, ça va passer bon de. Y'a pren lui, y'a goté lui. Y'a pas mes jeunes garçons de ghetto, hein? Même j'ai offert en dedans, même j'ai offert avec la jeune au Caribe, hein? Et yo ban sanye la jodi, hein? Même si c'est certain. Comme on est la France, de génération en génération, la France pas jamais rembourser nos dettes indépendantes, ça, qu'elle te fait nos pays. Ou est-ce que c'est bien, monsieur? Ou est-ce que vous ou bataille, ou perdit esclave, ou perdit soldat, vous prenez des points de souris? Là, là, du coup, ça, il dit non, et fréquence, il faut payer pour indépendance.
faut payer pour lui. N'a cherché respect, justice, dignité et droit nous à une existence digne et prospère. Je veux dire, même les États-Unis. Ok. Même États-Unis. Le regardez et attendez. Le mouche crée les Donald Trump, non? Mettez avec Colistiel, Jenny Vance. Ok? Avec Jenny Vance, les gars mettez ensemble. Il y a pris les chalbards des Haïtiens. Et il dit que depuis que tu es arrivé président, Haïti mêlé, ah oui? Depuis que tu es arrivé président, Haïti mêlé, ah oui? Ça veut dire? A immigré ici mêlé. OK. Immigrant haïtien qui vivent aux États-Unis mêlé. Et ça vous dit. OK. Mais ça n'a pas dit avec yo. Okay. Ça n'a pas dit avec you. N'a pas fait qu'on est qui. N'a pas fait qu'on est qui. Je dis, hein. Que pays ça qui est Haïti pays nek ça oui premier peuple noir indépendant ça je dis hein. Pas jamais qu'à accepter que hein OK je dis hein Angade, Anoué, niveau importance, décret d'importance, pays sa, en Dieu, pays sa vive là. Angade, Anoué. Angade, Anoué, Anoué vive là. Et si je dis là, ça a été à vivre là, ça a été à connaître là. Nous décidons d'accepter. Nous décidons de vivre comme ça. Non, il va logique. Il va logique, il va normal. Et je dis que chaque haïtien comprenne ça. En goumè, en bataille. En goumè, en bataille. Pour retirer le pays nous dans ça de là. Je dis, on va venir demander la communauté internationale là.
Fais-nous grâce, fais-nous pitié. Non, on ne va pas demander ça. Des Haïti, c'est mon fondateur des Nations Unies. Vous voulez qu'on dise ça? Haïti, c'est mon fondateur des Nations Unies. Donc, je dis en là, si Nations Unies voulait aider, non. Comme à travers chat Nations Unies, hein. Ni ba non droit ça. Yeah. Ni ba non droit pour nous capable jouer une bourrade internationale. Ni ba non droit ça. Yeah. Ni ba non droit ça comme haïtien. OK? Ni ba non droit ça comme haïtien. Et si je dis hein, chaque fois que n'a regardé, chaque fois que n'a observé, chaque fois que nous avons analysé, nous avons fourni pour nous, j'ai un pays à aller. J'en ai un pays avec le pays. Vous pouvez comprendre? Vous pouvez nous dire tête nous. Est-ce que nous avons still continué à être dans l'assistance? Ok? OK. 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 Yeah. Je dis hein. Je dis à nous pas dans que soit assistana. Je dis à nous pas assistana. Je dis à nous yo mettez non que soit assistana là. OK? Yo mettez non cause assistana. Yo mettez non cause mandé. Yo mette nan question tan. On comprend? OK? Yo mette nan cause tan. On comprend? Et je dis, parler de liberté, de droit de l'homme à travers le monde. Haïti, c'est un exemple, oui. Haïti, c'est pas mes pays qui initie ça, oui, à travers le monde. Parce que l'un des décide de lever campé contre Colombe le français. Yeah. L'ND décide de lever campé contre Colombe la français pour nous dire que nous pas dans question j'ai fait là là nous voulons sortir dans esclavage. Hmm? Nous voulons sortir dans esclavage. Bon de, essayez-moi dire non. Voilà, j'aime quoi ça. Eh bien, pour nous arranger non. OK. Yeah. 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 Mon a dit moi. Est-ce que yeah. Est-ce que moun sa yo et pour me d'aller même dirigeant yé là yo est-ce que vous comprenez que je dis hein? On va?
On comprend? Ok? Et même du jeudi, hein? Est-ce qu'on est capable de chiter plus sous critique de forme? Ok? De forme, non? Pendant cet enfant très très important. De forme, non? Alors, ce que font très très important. Ce que je dis, hein, font, hein, c'est qui ça discours aïe, ça va apporter pour Haïti. Je dis à fond. Hein. C'est qui ça discours ça apporter pour Haïti. Parce qu'il nous besoin. Et est-ce que tout ça, on dit pour la consommation? Nous n'avons pas besoin de discours pour la consommation. Nous avons besoin de discours pour permettre que l'international soit capable d'entendre et comprendre ça haïtien voulait, ça haïtien besoin. Ça haïtien voulait et ça haïtien besoin. C'est ça. Parce que vous pas fait nos cadeaux. OK? Vous pas fait nos cadeaux. Mais en même temps tout. Hein? Vous pas fait nos cadeaux. Mais nous même tout. Nous obligés prendre nous. Nous obligés à comprendre que dans sa pays à trouver là, ok, ok, OK. Je dis, hein, je voulais que chaque monde qui a regardé, qui a compris, chaque monde qui a regardé, qui a compris, je dis, hein. Je dis, hein. C'est vrai que c'est vrai que pays ça, je dis. Hein. C'est vrai que je dis, hein. C'est vrai que pays ça, pays nek ça, qui est les Haïtiens, ou elle est comprenne, dans qui niveau, dans qui dimension, que pays ça lui-même la privé. Et comment que pour nous gérer, comment que pour nous comprendre, comment que pour nous questionner? Comment que pour nous analyser problème yo? Questionner, analyser ensemble problème qui gen la yo.
Edgar Leblanc-Fils, dans le discours liant, reconnaît que le pays d'Haïti a fait face avec une insécurité sans pareil. Que nous tous d'accord ça. Nous tous d'accord que le pays a fait face avec une insécurité sans pareil. Et gang occupé plus que 80% région métropolitaine Port-au-Prince là. OK. Gang occupé. Et pendant que gang occupé là, il gars fait qu'on est que non, groupe gang sa yo, 80% moun ki fè pati groupe gang sa yo, se ti moun ki genye, se adolescent, ti moun ki an 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans. Et se pa menti. Parce que n'dap gade un dernier vidéo que te fait récemment, kote un ti adolescent, mais estime qui a 15 ans. C'est avec gros âme ni nan mel en dans quartier Bel Air, visage li maré. Il a dit clairement que intel te touye papa ou bien maman, pa konnen, li même dit que ben ça mais faut touye intel tout. Et c'est pas et pas seulement Edgar, et pas seulement vidéo ça. Mais UNICEF te produit un rapport pour lui dire ça. Oui? Excusez. UNICEF te dit nous un rapport. Hein? UNICEF te dit nous un rapport que majorité groupe gang yo, c'est ti moun ki la nan yo. Et nous est visible vraiment. OK? Li visible vraiment nous yo. OK? Et je dis hein, semble que nous comprenons, c'est que m'a gardé parole négio et m'a gardé réalité. M'a tendé parole négio. M'a gardé réalité. M'attendez parole moun autorité nou yo et m'a gade réalité parole yo ak réalité a prouvé le contraire. Yeah. Parole yo ak réalité an li prouvé le contraire. Parole nèg yo ak réalité hein et pouvait me le contraire et je dis hein m'le que chaque grain nan nou comprendre vraiment ça qui gen là m'le que chaque grain nan nou comprendre et ouais ça qui gen là parce que je dis hein quelque soit x ou t y ou t soit t hein ou pas fouti ka d'accord accepter que payan pral les gens pral là et gens pral là c'est youn mais tout ou pas ou espoir mais en même temps tous mes amis ba m'te non bagay OK. En même temps, tous mes amis, laissez-moi dire nos bagailles. Well, ou en dehors pays, hein, ça veut dire ou à l'étranger. J'ai un wap van ou Haïti, y a parlé de Haïti, y a parlé de Lyon.
On le bagaille. Haïti a vendu, a parlé de lien. L'île nettement différent oui, que moun kap vive la dedans avec ou même qui en dehors pays. Parce que n'a pas avec une autorité qui dépasse le pouvoir, un gros chef. J'ai dit Blaise. J'aime moun, c'est vrai le connaît ba là pas trop yes en Haïti. Elle n'a pas trop bon, c'est vrai en termes de insécurité, en termes de ça qui a passé dans le pays. Hein. Elle dit, ça moun a vendu de pays. Hein. Ça moun a vendu de pays en hein, Blaise. Dit-il pas ça, non, men. Dit-il pas ça, men. Dit-il pas ça. Il dit, bon, en tout cas. C'est pas moi même. C'est pas moi. Il dit, c'est ça. Ça me tendait à mettre là. Ça me tendait. Ça me tendait. C'est vrai, capitale haïtienne, dans zone qui environne l'yo. Zone yo bloqué, zone yo envahi à moun, zone yo bagay. Nous d'accord ça. Mais frère, Jean-Pierre est là. Il est écouté mettre là. Il y a la vie quand même. Même les bâtiments, j'en chè, la vie a chè. Mais il y a des zones qui est écouté là. Moun y a circulé, moun y a fonctionné. Mon psychique, il a fonctionné. On va voir. Et moi, c'est ça, mon besoin. Et nous, je dis ça. Je dis en là. Immigrants, c'est très menacé aux États-Unis. Surtout si là, yo, qui vient à travers Sibipion, par frontière et Mexique, États-Unis. Et haïtiens, nicaraguayens, cubains, vénézuéliens, qui eux-mêmes rentrent et qui vont dans le programme parole humanitaire haïtien et le programme Biden. C'est quoi? Ça veut dire là, ça veut dire qu'il comprend. Ça que m'le kin gade, c'est toujours ouais, c'est toujours questionné, c'est toujours analysé ensemble de ça yo. Yeah. Toujours ouais, toujours questionné, toujours analysé ensemble de ça yo. Et je dis, hein, quel que soit monde, quel que soit secteur, quel que soit acteur qu'on y est, hein, comprendre que pays d'Haïti, pays ça, premier peuple noir indépendant qui te casse l'exemple, l'humanité, hein. Après 220 années que nous gagnons indépendants, je dis, il faut qu'on décision qui prend. Je dis, il faut qu'on action qui pose, je dis. Ah oui. Yeah. Okay. Yeah. Je dis, hein, m'le que nous comprenons, qu'on questionne et analyse pour nous dire que est-ce que pays ça ensemble. N'a pas goûté pour nous retirer la donne. Est-ce que pays ça ensemble, n'a pas bataille pour nous retirer la donne? Ou dis-moi, est-ce que n'a pas toujours mettre dans une situation? N'a pas toujours mettre dans des conditions? Ok.
n'a toujours metté dans des situations, n'a toujours metté dans des conditions pour que pour une tant étranger, pour une tant étranger, pour une versie, pour une versa pour nous. Est-ce que c'est ça nous voulons? OK? Oui. Ça va nous dire bagarre bien. Oui. Je dis hein. N'a dit clairement avec peuple haïtien. OK. N'a dit avec peuple haïtien. Hélène dit peuple haïtien. N'a dit toute couche toute secteur. OK. Toute couche, tout secteur, tout groupe organisé. Pour yon comprendre, pour yon conscient, coller les épaules et lui faire connaître que plusieurs unités spécialisées qui déployaient pour matraquer bandi armé yo et côté que force de l'audio yo joine support population civile nan Gressier d'après ça que et votre bef info fait connait il cité il dit que il y a plusieurs sources que le capable fait crédit et qui fait connait que il y a plusieurs bandi qui mouri et bandi qui va mourir nego al cacher nego couri nego al cacher nan monde et population mandé avec autorité policière yo pour yo mettez une ligne, un numéro disponible pour quel que soit mauvais jet, mauvais suspect que t'as remarqué, yo t'as joint dans un ensemble de côté dans Gressier et rapidement pour t'as relé autorité policière yo pour capable réagir contre moun ça. Ça veut dire que yo mandé avec force de l'audio mettez un numéro disponible pour capable contre pour que si yo remarqué un mauvais jet, yo a tout fait qui pas cap qui passe dans bon monde dans zone nan, que yo capable relé autorité yo Désir Venesse et ça mettre nous yo gagné président pays Guatemala monsieur qui t'a prend la parole sous tribune Nations Unies dans occasion 79e assemblée générale Nations Unies monsieur fait connait que pays Guatemala prêt et le paré pour t'avoyer 150 soldats guatémaltèques fait partie mission multinationale soutien sécurité haïtien. C'est vrai, c'est un bagage que le dit, mais pourquoi date, pourquoi connaît est-ce que c'est vrai que il prêt à envoyer 150 soldats guatémaltèques dans mission ça. Mais bien que tant que Luis Abinader voulait faufiler l'école là-bas côté Williams Ruto pour t'avoyer soldats dominicains vinn les sol nous yon nouvelle qui déjà commencé les plumes sous d'eau divers haïtiens dans divers côtés dans pays des Ivenes. Et pour nous dire désir, n'a regarde une petite vidéo. M'pas connu si son bagage qui a peine passé. M'pas connu son bagage ancien que lié. Côté que par contre, qui est ce groupe armé, n'est-ce qui kidnappé un ensemble de jeunes garçons avec un personnage, il y a calé avec bâton baseball fait, dans tout, comme tu as dit la colonne vertébrale, n'est-ce dans tout point li, et n'est-ce pas la graisse et peau bidon, plastique sous moun sa yo. Qui donc, n'est-ce pas retourné à faire et torturer moun yo, dans que sur le kidnappé moun yo. Ça, nous connaissons à quel niveau ça était vraiment critique et je dis hein, kidnapper yo bandi yo retourner avec même pratique ça Désir Venesse.
La situation pour petit trois moun nan pèdi la vie, c'est trois ti machan nan Kafou Kado, en pile moun rele trois ponts qui nan département la Tibonite sur route nationale numéro 1, divers lot moun soti blessé pour que bien bonnet matin et 25 septembre 2024 la c'est bandi bas gangrifio qui l'ouvre coup de zam sous et ti machan si la yo nan espace parce que yon nan guerre pour récupérer un territoire que monsieur coalition Jean Denio a pas dirigé depuis un bon bout de temps qui rele et trois ponts qui ba accès pour rentrer ti rivière la Tibonite pour rentrer machan des salines et pour rentrer Jean Denis, en situation qui permet gros panique dans le niveau département de la Tibonite et là au fin sorti dans le niveau 3 ponts et il a tiré en pile cartouche dans la direction commissariat qui n'a pas soal dans Pont Sondé qui causait gros panique pour journée mercredi dans Pont Sondé. C'est jour marché côté ti machin yo obligé à courir pour ramasser bagaille dans le niveau marché public Pont Sondé côté population pas suspend mandé autorité dans la police dans pire au niveau dans l'état côté pas suspend mandé gouvernement et koni a dirigé qui ça a fait qui l'a arrangé, qui a permis au moins que la sécurité retourne dans le niveau des patrons de la Tibonite pour permettre que la population retourne à vacuer avec activité et fermer le robinet sans ça qui l'ouvre dans le département de la Tibonite. 14 individus jouent à l'arrestation. Et puis la police arrive saisie 9.9 kg marijuana et qui arrive saisie dans l'opération que la police sud-est menait sorti 20 août pour arriver 23 septembre. Qui s'est associé avec Mounzao, c'est assassinat, trafic de drogue, ak marijuana, association malfecteur, c'est quelques parmi charges qui pesaient sous dos monsieur Damsayo, c'est inspecteur Jessibon jeudi qui fait qu'on est que la police transféré plusieurs individus ici là yo by SDPJ by DCP et BLTS pour continuer faire suite légale yo dans quatre dossiers ça les personnes bandi canaran continuer à frapper bandi canaran a cherché pour prendre contrôle commune Sodo dans département Saint-Pays-a l'en songe qui attaque commune ça a été subi déjà en bas bandi 5 secondes les isotétil de perdi afel et ben pour kounia c'est taliban yo que Jeff Larose et Jeff Gaulois a dirigé qui a arrangé qu'a fait un forcing qu'a fait une pression pour rentrer dans zone si là les personnes après divergence qui t'est éclaté entre la primature à conseil présidentiel transition et bien qui en pile monde dit que image pays a que monsieur ça au sale par rapport avec Jean yo t'est comporté ou et ben Edgar Leblanc fils a arrangé pour arriver dans les Nations Unies pour la prendre la parole dans journée 26 septembre cap venir c'est demain pour aller essayer donc de porter parole pays a des citoyens qui déjà été très sceptiques qui dit que pas rien de sérieux que président Edgar Leblanc fils pour dit les songe l'altal dans grenade dans réunion dans rencontre qui était faite avec les chefs d'état dans CARICOM yo et bien il était arrangé pour te dire que pays a quasiment sous contrôle la police et sécurité et cap établi dans mitan capital pays a en pile monde. Essayez donc de regarder l'interview que Dr. Gary Conille, chef gouvernement, premier ministre Bay avec Valérie Saint-Louis, dans EVOA Creole, la Voix de l'Amérique, qui dit que la police a fait effort. Ils ont commencé à récupérer un ensemble espace. Eh bien, ils dit que l'autorité n'est pas pour établir sécurité en dedans pays, parce que l'insécurité a pratiquement fait affaire. Mais bon pour eux, ils permettent que ça marche pour eux. Conseil présidentiel, Smith Augustin, qui entend actuellement pour visiter l'Office Protection Citoyen, OPC, et dans tête à tête que vous gagnez pour essayer donc de discuter, protecteur citoyen Renan Edoville, vous pouvez gagner pour garder divers dossiers entre vous. Et qu'on y a, en plus, le monde déjà posé question, qui ça, on est avec Smith Augustin, qui gagne non capacité, dans scandale corruption, besoin d'un OPC. Parce que le monde, ça, pratiquement, il y a de chita un côté pour attendre que la justice prononce sous scandale corruption 100 millions de gouttes qui ont impliqué. Malheureusement, ouais, c'est marché qui a marché, c'est chercher qui a marché, chercher, c'est discuter, marché discuter, qui ça a discuté, personne ne va connaître. Diverses positions, diverses déclarations faites, Blaise Fesson, dans ce qui concernait Blaise Fesson, sécurité en dedans pays et lancement programme social que le gouvernement a annoncé, qui fait qu'il va coûter 9 391 millions de gouttes qui pourraient décaisser dans 22 projets que vous parlez, mais c'est des projets sociaux qui pourraient permettre qu'ils accompagnent le travail et sous-traitance, qui pourraient permettre qu'ils accompagnent les parents pour entrer l'école, qui pourraient permettre qu'ils payent l'école pour élèves qui sont dans l'école de l'État, qui pourraient permettre qu'ils aient au livre, les situations pour qu'ils recevoir plein de l'instruction. Leslie Voltaire, conseiller présidentiel, ou un coup d'État clair qui a préparé, surtout dans le compte que Dr. Gary Conille, comme chef gouvernement, comme premier ministre, t'es fait avec Lula da Silva, président pays Brésil là, il dit que il t'a prétend que Edgar Leblanc fils rentré pour au moins te garder qui Jean, yo cap garder question ça à Blaise Fesson et en pile monde fait quoi pour aller gagner des révocations surtout dans diplomatie haïtienne là, il a parlé dans quelle dimension, dans quel niveau que bagarre après.
Il y a déjà quelques critiques qui a venu dans façon et yo ouais que Edgar Leblanc fils a fait salutation d'usage là arrivé dans New York pratiquement pour participer dans l'assemblée à Blaise Sasson. Nous pral gen pour analyser, nous pral gen pour questionner, nous pral gen pour garder ensemble porter sur ça qui a passé en dedans pays, surtout sur le plan politique, social, culturel, économique. Blaise Sasson désigne quelques temps bas ça les mounio et papa ba kon les noms, mais là mounio prend pour ça en garder signe quelques mon en bas jeune ta avec love là parce que longtemps mounio a plein gen parce que deux semaines là bas ça les mounio dit non en garder signe avec green mon non avant que nous venir avec détail pour annoncer là. Les gens ont automatiquement dit que c'est pas faux, c'est parce que la situation paraît conseil difficile, il permet qu'il ne parle pas de salutation. Mais tant que je vous demande, nous allons envoyer quelques salutations pour quelques amis qui sont toujours fidèles avec nous. On monte pour Marie-Jasmin, Marie-Zana Xavier, Marie-Nosifor, on qui pas jamais pas avec nous, Shekina qui est toujours branché, et Jetruy de Chérima qui est toujours branché, nous disons merci, et Lino TV qui pas jamais pas avec nous, nous disons merci, et Marie-France Elmonis qui est toujours branché, Franzi Charles qui pas jamais pas avec nous, nous disons merci en pile, Raphaël Saint-Ville qui est toujours branché une personne. Janine Petit Homme nous dit merci. On Denis Wilda qui toujours branché nous dit merci en pile. Nous saluons Marie-Jo qui toujours branché nous dit le grand merci. Nous saluons et Prosper Elinaire. Merci Prosper Elinaire, ça fait nous grand plaisir. Nous saluons Journal Espérance qui toujours avec nous dit le grand merci. Jean-Roubert Latour, Nerokai qui toujours avec nous, ça fait nous grand plaisir. Et Will Lachal qui fait nous connaître qu'il n'a pas jamais raté une émission. Nous saluons Joseph François qui toujours branché nous, ça fait nous grand plaisir. Nous saluons et Elisieux. Et Lycée, merci Elise, ça fait un grand plaisir, on est content parce que vous toujours avec nous et chaque fois que nous quittez commentaire. Nous saluons Michel 5412 qui par exemple ratel, Blaise Peterson, nous saluons Dutesse Cola qui toujours branché, mais sa nouvelle Blaise Info, pas une nouvelle, votre calbasse info, racine nouvelle Haïti. Nous saluons James Love Destin qui toujours avec nous, Blaise Peterson, nous content en pile. Et Mounsao dit, et selon James, il dit question de réouverture, l'école l'hypoco ou elle claire parce que la situation paraît très difficile. Nous saluons Rodney et Vetiak, merci Rodney, ça fait un grand plaisir. Content parce que vous rejoignez famille mais cette nouvelle là Immaculée la fleur Immaculée Vénélis nous saluer nous dire merci en pile parce que vous toujours avec nous et vous été solide avec Zamia. Nous saluer Alain Pierre qui est toujours une belle personne. Nous saluer Marie et Grandois, merci Marie Grandois, c'est monde qui à peine rejoint famille mais cette nouvelle là sans doute. Nous saluer la motte aimable, la motte qui passe pas avec nous qui toujours quitte commentaire dans quatre émissions que nous faisons. Nous saluer Bekin Pierre lui qui toujours avec nous belle personne, nous dire merci en pile, ça fait nous grand plaisir et content ou elle toujours avec nous. Marie Irène qui dit que diaspora travaille en pile, diaspora apporte en pile support. Malheureusement, il n'y a pas vraiment ouais qui ça qui a fait pour changer situation dans en dedans pays. Nous saluons Anthony JC qui toujours avec nous, nous dit merci. Nous saluons Marie Jean-Pierre qui toujours branché de Blaise Fesson et sans doute toutes les amis qui est branché message nouvelle qui n'est pas guette arrivé sur eux. Nous voyons chalou pour nous dire grand merci parce que vous fait choix message nouvelle pour informer à travers les réseaux à Blaise Fesson. Des images sont ajoutées comme point pour me dire que et ça m'a oublié mettre Ronald Buto. Même pas c'est professeur Buto qui a le salutation parce que et il m'a dit là Ronald Buto mal love là parce qu'il va jamais suivre nous. Et mais des images dit nous bien qu'il y a un ensemble d'organisations haïtiennes notre diaspora aux États-Unis qui écrit et mandé avec Andy et autorité le plus haut niveau aux États-Unis pour ta Marie Fouquet et Donald Trump et puis Jenny Vance qui a traité haïtien de tout propos malsains qui a haïtien et même mandé pour que monsieur Sayo pendant même que chance rivé dans la maison blanche sur l'ensemble de haïtien ça. En tout cas, vous regardez ça parce que pas oublier que et on ka dit non moi encore. Nous ka dit c'est comme si haïtien tourner pigeon et qui a battu yo tourner et tout quel ka battu pigeon dans calojo. Donald Trump la caille et puis haïtien pas pour prendre décision contre Donald Trump dans pays dans élection qu'a organisé la situation. Exactement. Au lieu que haïtien ça vienne prendre position pour permettre que pays yo tourne paradis qu'il était avant. Yeah, qu'il y a la même désir ensemble haïtien ça yo et mandé que pour capable et même mettre Donald Trump même arrêter Donald Trump avec ensemble avec Jedi Vance pour que n'yo capable mettre au sous côté. En tout cas, on va regarder ça mais désir laisser me dire avec Zamio puisque ou so ben une information concernant la Tibonite, il était important de commencer avec lui là. Très bien. La situation dans le département de la Tibonite là, est difficile en pile. Songez que depuis le commencement de semaine et même dans le week-end, nous avons dit qui s'est passé dans le niveau du département de la Tibonite. Laissez pas mon verrette qui levait camper parce que estimé qu'il y a un complot 4 manigancés pour bandits
grand contrôle verrait parce que yo estimé monsieur Damien qui dans recommandement la police là traiter département la Tibonite en parent pauvre gen Itag qui sous zone ça malgré monsieur Itag yo entre mêlé dans grosse petite monde qui sous zone là et deux trois femmes grosse moncel agent bagarre pété c'est ça mon yo dit selon ça habiter dans zone là dit bon c'est ça famille yo dit et famille yo chercher organisation qui défendre droit monde yo dénoncé question et yo même aller dans la justice bagarre sur route pour arriver dans inspection générale ça permet en pile monde qui la communauté a qui estimé c'est vrai son mal qui déjà fait mais il tag là pour protéger population gain manifestation qui fait plusieurs centaines monde prend la rue yo dit vive il tag pas font pas c'est parenti tifio qui pour arranger pour cléter devant yo pour empêcher qu'il aller mettre policiers qui viennent travailler faut que yo connaît que policiers c'est en mission qui est venu ça pose là. Eh bien bandi parce que griffio depuis un bon bout de temps qui installé base yo sur route nationale numéro 1 dans niveau Kafoupey route nationale numéro 1. OK côté moun k ap sorti k ap ayisyen c'est là où te kon fréquenté et moun ki te kon ap sorti dans nord-est dans nord-ouest pou y al nan capitale pays c'est là où te kon fréquenté depuis un bon bout de temps grand risque prend contrôle espace là qui a quelques kilomètres yon commissariat qui nan une localité qui rele Pasoal qui nan et Ponsonde. Malheureusement, ancien président Jovenel Moïse te fait pose pierre, mais gars commissariat c'est là qui pas jamais inauguré ses défenses qui ont metté quelques policiers là-dedans qui tout a maltraité. Bandi yo a mené un combat. Yo prend un clap yo mette poste péage. Population switch, y a le passé par yon route coloniale qui sont en dedans, dans une zone qui est les Grassettes. Moun yo décide à le passer en dedans. Eh bien, c'est ça à la hauteur, c'est ça à la base. Et monsieur Jean Denio prend contrôle un grand carrefour qui est cadeau en pile moun rele le trois ponts. Parce que ou jouen trois ponts consécutifs, yon après l'autre, yon rele le trois ponts. Nèg Jean Denio te nan espace ça, pou te garanti moun yo traverse. Nèg Jean Denio son lot groupe nèg ki gen zam ilegal nan men yo, ki rele tèt yo coalition anti-gang nan département la Tibonite depuis 2019, yo la yap goumen, yo di yap goumen kont Gangriff. Mais jusqu'à présent, moun ki ap analyse les gars de question, yo wè pa gen moun kap goumen face Gangriff, parce que Gangriff ap élargi presque chaque jour, la prend beaucoup plus territoire. Eh bien, nèg yo débarqué, les situation, matin mercredi ya, nan Kafoukado, yo si mè coup de balle dans toute direction. Si ma chambre mange cuite, si ma chambre cafété dans cafoua, tout recevoir balle pour pipiti trois moun mouri sous place et sans compter divers autres qui rivé blessé que yo couri en urgence à l'hôpital avec yo, yo pas même connaissé absolu. C'est des situations qui paraît très grave pendant administration centrale la police continue rété, y a joué avec question, c'est comme si département la Tibonite il pas fait partie pays. Ponsonde, moi minute que n'a parlé là. Marché public c'est youn nan pi gwo marché qui gagne dans vallée là. Côté tout denrée qui fait dans vallée là. Paysan ou aller pour aller échanger pour aller vendre. Et même les personnes, matin mercredi, c'était panique totale. Moun a couru dans tout coin, dans Ponsonde, pour être capable de sauver pour eux par rapport avec volume cartouche que vous tendez, qu'à tirer, qu'à sortir dans la direction qu'à vous payer pour venir sur Ponsonde. Et ça a été permis, chauffeur camion, chauffeur bus, qui fait tirer via la Tibonite. Port-au-Prince, vous avez vu pas qu'à traverser Ponsonde parce que groupe résistance dans Ponsonde mettez barricade yo bloqué route là pour empêcher que bandi gangriffe vienne foncer sur yo. Dans tout ça SOS a planté jusqu'à présent direction départementale de la police dans la Tibonite TDA Jean-Louis Paul Ménard par exemple au café rien parce qu'elle fait état de manque matériel Jean-Jules Chéri qui c'est commissaire principal qui n'a arrondissement ma côté Ponsonde côté trois points la situation jusqu'à présent on rien pas qu'à faire sur question ça situation paraît très difficile et très douteux est-ce qu'il n'a pas sorti dans ça qui la Tibonite trouvé et il y a diverses organisations qui déjà en mode de mobilisation dans ville Saint-Marc ou dit non que pas d'accord que retirer commissaire principal Jean-Jules Chéri qui responsable arrondissement pour sécurité et même gens avec commissaire Vincent François qui pratiquement gagnait des frappes 4 vingt jeunes pendant et après et ça qui vient pour eux avec évasion qui fait en prison civile c'est malgré ces divers mouvements qu'a fait au niveau département que autorité dans la justice dans la police dans l'état central là t'as de mettre accent sur yo ni aux blessés personnes qui a porté un ensemble de conséquences par la population civile là dans le département la Tibonite. Moi même m'a dit que c'est vrai que je t'ai dit dans la mise en contexte non. Et est-ce que c'est volonté pas gain pour que gain en dit département la Tibonite que nous connaissons un gros département qui gain la même j'avais l'ouest non qui méritait une attention très spéciale vraiment spéciale parce que pas oublier de nos plus gros département dans pays cap connaît une situation de sécurité là lycée département l'ouest et département la Tibonite. Et si je dis gain autant de mobilisation ça cap fait pour l'ouest là moi comprendre que faut que tu as gagné même niveau de mobilisation ça autour
qui t'a fait pour la Tibonite. Parce que tout le monde d'accord ça. La Tibonite et la question manger agriculture, c'est un gros morceau que lié. Et ouais, nèg bandi armé base grand rive ça rien. Ouais, dans politique nèg yo, dans action nèg yo, c'est exactement côté qui kabay moun yo manger. Tes paysans yo, espace paysan ou capable produit, nous c'est là nèg prend en otage. Et nèg yo touye paysan, nèg yo kidnappé paysan, nèg yo touye madame Sarah, nèg yo kidnappé madame Sarah, nèg yo volé bèt paysan yo. Nèg yo manje bèt paysan yo, nèg yo pousse do moun yo. Et nèg yo touye policier, yo touye de ses citoyens. Et ceci dit, lè ko gade réalité sa de Zivenès, mwen vi di tè tout ke, est-ce que problème nan ap rezoud et ki plan que autorité nan pi au niveau genyen pou ke yo ta kapab essayer rezoud problème qui vient là. Moi d'accord que me comprendre tout. Que PM ga iconi qui parlait pour dire que bandi occupé 85% territoire. Alors espace région métropolitaine Port-au-Prince là avec au moins 200 groupes jeunes garçons armés. C'est pas 200 jeunes garçons non, c'est 200 groupes. Elle dit l'autre a comptabilisé 200 groupes jeunes garçons et jeunes femmes armées ça yo, il a une estimation de n'importe 6000 à 8000. Jeune femme et jeune garçon qui armé jouk nan dan nan capitale haïtienne nan et son qui environne li. Ça veut dire bataille contre groupe jeune garçon et jeune femme sa qui armé yon, li pa on baye ki facile nan l'ouest nan. Mais koun ya jan kem tande nèg yo a parlé, nèg yo a plaigné, nèg yo a montré par A plus B, si pa gen moyen, si pa gen si, si pa gen ça. Te bagay pa ka fèt, te bagay pa ka regle. Pendant ces temps, nèg yo pa gon pouvoir 5 ans nan men yo. Et équipe transition ki la, nèg yo été 15 à 16 mois. Nèg yo pa gen 2 ans devant yo. Nèg yo pa gen 3 ans devant yo. Nèg yo pa gen 5 l'année devant yo. Kounya m'ap di tèt mwen. Est-ce que lèl est après arrivé? Est-ce que les élections, est-ce que les années 2025 après arrivé sérieusement? Qui ça nèg pral di? Et qui ça pral faire moun comprendre? Que pas de gétan, yo pas de gétan ka fè si, question insécurité, question ça parce que moi même moi dit tête moi que pi gros focus là jodi li té droué meté sous question wè ki jan que yo capable aborder et gérer question insécurité. Mais l'en garder pour nous nèg là, nèg va faire démagogie. Ah, et comment Gary Kouni, chaque fois policier dans la ville, c'est pile policier avec casse gilet pas balle sous lui. Et ça veut dire là, Gary Kouni montre que en bas la ville n'est pas safe. Gary Kouni montre que et ça y a dit que l'État a commencé à contrôler ensemble des gens dans la ville et pas couvrir. C'est pas couvrir. Pour nous en regarder. Si c'est pas couvrir ça l'a dit là, parce que chaque fois pour le descendre, faut le mettre casse, faut le mettre gilet, faut le mettre ci, faut le mettre ça. Qu'on a en regardé non et ou même qui pas gagne moyen pour mettre ni casque ni gilet ça fait des pas combien casque gilet vous tagué pour chaque haïtien qui décide à vendre ou bien aller quoi activité en bas la ville. Est-ce que vous comprenez? Donc je dis hein, m'a toujours dit que faut vraiment qu'on volonté manifeste et réel pour que problème insécurité que le maté. Pendant que la population li même beaucoup parle tout, li pral pote si po pal, li pral pote collaboration pal, nan aide force de l'audio, nan bayo bon j'ai information, nan aide identifier qui est-ce qui c'est mauvais géo, kote yo ye, kote yo caché, identifier réseau association criminelle yo, yo façon pour capable bataille vraiment réelle contre question insécurité. Parce que je dis en là, je dis là, moi-même, ça m'a kap vin là, en un pays. Ça m'a kap vini, Antoine Nangomye Pawel. Ça kap vini là, pour année 2025, Antoine Nangomye Pawel désir.
Parce que moi qui pressentiment, parce que pas oublié, ouais, jusqu'à présent, les gens qui ont blindé là, au reprend, ils ont été 15 mois, ils ont été 16 mois, ok, pas un problème. Pas un problème. Eh bien, rete gade pour nous, rete suivre pour nous, si pas gagne de sérieux qui fait, pas gagne rallonge. Pas gagne rallonge, le frère. Le 7 février 2026, ça va arriver. Ouais, pas, ouais, faut nous aller. Ouais, pas, ouais, faut nous aller. Et faut nous pouvoir légitime qui pourrait être payant. Pour nous y en devant nous. Nous étions octobre, novembre, décembre pour l'année 2024, la fini. Et nous étions 12 mois dans l'année 2025 qui pourrait être pour venir. Profitez. Faites tout ça que vous voulez. Rencontrez les gens, tout bagaille, faites perdre du temps, parlez en pile. Et pas poser action concrète. Puis là, après arriver, on va regarder qui canon. On va regarder ça, on va le dire avec peuple haïtien. Et peuple haïtien clairement dit que li pa prend troisième transition. D'ailleurs, nous pas arrêter dans un éternel de transition. Et encore plus des Irvenes. Pral gen élection, faut gen élection. Faut élire député, faut élire sénateur, faut élire magistrat. Est-ce que moun sa yo si pas qu'on sécurité qui tight, est-ce que tout le monde s'apprête besoin pour que ça n'aille les machines blindées? C'est franchement, franchement. Et ça fait, doué que obligation, doué que nécessité, pour que, parce pour que, il y a des dispositions vraiment qui prend, ok? Pour que il y a des dispositions qui prend, pour que ma konne ki lè, mais pour vraiment, moun yo senti, pour vraiment, moun yo wè, que gen sécurité. Et sécurité ça, a permettre que yo capable de fonctionner comme ça doit. Si moun yo capable à l'école, moun yo capable à vendre, ap capable de un ensemble d'activités, et lè ça, moun yo senti yo capable parer, yo senti yo prêt, pour yo capable à voter si yo vle à voter. Mais j'aime yo faire là, j'aime moun ki la yo faire là. Yo pense comme si comment ka ça va fonctionner là. Comment va mettre bio électoral communal yo? Comment va mettre bio électoral départemental yo? C'est la démagogie. Et pas faire moun comprendre et pas faire moun croire que ça ne va pas faire. Donc je dis c'est que messieurs dames, quel que soit le gouvernement qu'on a dirigé, hein, quel que soit le comment et conseil présidentiel, hein, messieurs dames, nous commençons très laid devant les peuples haïtiens. D'ailleurs, mon yon déjà commencé à parler croire quelque non ba SCP non ceci c'est là c'est l'autre bord. Mon qui déjà commencé à critiquer Kony parce que dit ah Kony c'est un envoyé de l'étranger, mais jusqu'à présent nous voulons ben moun sa horizon, nous voulons montrer moun sa vraiment que ça a été dit, ça a été pensé, ça a été croyant et ça a été vrai. Parce que jusqu'à présent là yon senti que nous à l'oral, nous à l'oral, quel que soit la primature, quel que soit la présidence conseiller, nous tous à l'oral. Et même déjà la police, non, je senti vraiment l'été fait venir là. T'es qu'on fou récemment là, dans mes opération, mais je senti comme si, il a commencé, et il a commencé à casser. Il a posé question. Qui ça qui expliquait que il a cassé dans le moment? Est-ce que c'est problème effectif? Est-ce que c'est problème moyen? Est-ce que c'est aller il y aura les oreilles nous? C'est des questions que nous avons posées. Mais en tout cas, je dis nous ça. Nous n'avons pas le temps devant nous. Nous n'avons pas le temps devant nous, non? Tant que devant nous est très minime. Il est très minime. Nous demandons qu'il faut faire une réforme constitutionnelle, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire B, il faut faire Z, il faut faire M, il faut faire P. Il n'y a pas de bagarre pour nous faire. Mais j'aimerais nous aller là, dans combien de temps et qui est, nous avons fait toute bagarre ça. Et qui j'en. N'a fait tout bagay ça au désir Venise. Merci Tasson. Nous attendons Dr. Gary Kony comme premier ministre qui gardait le département de l'Ouest et le département de l'Antibonite, la Camargue. Il a totalisé 53% de vote. Est-ce qu'on comprend qui valeur au point de vue électoral et sans parler dans l'autre valeur que nous connaissons que le département de l'Antibonite gagne sur le plan agricole? Parce que quel que soit le pays, qui gagne mon cap dirigeant, ou est espace qui produit manger pour le pays, il y a géré espace ça bien pour empêcher le conseil de bagaille pas arriver là-dedans. Ça n'a pas gardé là,
li typiquement dit c'est complot nèg qui dans l'état avec secteur privé pour mettre à nu production nationale là. Attaquer département la Tibonite, c'est tout fini avec production nationale là. Attaquer la Tibonite, c'est tout dit que peuple là continue à manger pépé. C'est ça qui a fait et wap wè. Gouvernement ça yo tellement sous homme, yo tellement subalterne. Yo vin là. Est-ce que j'aime tendez on est tant qu'garé koni. Est-ce que j'aime tendez une conseil présidentiel yo aborder question frontière haïtien-dominicain qui était sans barrière. Non wana mi. Barrière crasé, vide barrière dans l'eau. Est-ce que tendez on parler de ça? Parce que c'est des voies spéciales qui viennent la ville fondjon. Parler des départements de la Tibonite à département l'Ouest comme 53% qui cap élu président oui. Des départements ça aussi on aide, li gen on programme, un projet qui convaincant, li convainc des départements ça yo. 17 communes dans département la Tibonite, ak sak nan l'Ouest yo. La privé président oui, l'Ouest de son. La privé président. Malheureusement, nèg yo arrangé yo, yo quitté département la Tibonite sous contrôle grand griffe. Ça vient qui gagne Nixon et l'encap dirige. Et m'a toujours rappelé nous ça. Gang qui dans la Tibonite, c'est gang la police ak politicien. Odma Louis Saint-Éclair. Chaque fois que nous dit ça, moi, la police, par exemple, prend responsabilité dans ce sens-là. Odma te dit c'était un inspecteur police qui relait Robert Montina, alias Timotas, net de Chapelle Souverette, qui te prend Zam nommé ancien député profane Victor dans le moment campagne ou te bat côté Bali. Il te parlait de commissaire Cliven, c'est tout, qui passait de Néo, qui était responsable, qui était commissaire principal dans la ville Semak à l'époque. Il te dit que tu es dans un arbre de Bali. Et tout le monde, ça y est, il pratique dans la police. Timotas, c'est Canada. Dans le retour, dans le Rameau, là, Timotas retourne dans le pays. Par contre, il a vint tourner dans la police. Et jusqu'à présent, pas rien qui dit, ni la justice pas questionné pour Van Vito. Il pas cherché à questionner Timotas pour résoudre le problème d'insécurité qui gagne dans le niveau du département de la Tibonite. Expert, Nations Unies dit, Yuri la tortue, ancien sénateur de la République, nek raboto, nek naïve, yo dit que c'est lui-même qui baille, nek...